Dans ce journal, opération épervier, le verdict est enfin tombé pour Amadou Vamulki, en détention préventive depuis 2016, date de son arrestation. L'ancien directeur de la Cameroon Radio and Television a été donc condamné ce jour par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Il a été condamné, je l'ai dit, à 12 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics avoisinant à 15 milliards de francs CFA entre 2005 et 2016. Une condamnation qui intervient donc après 137 renvois de son dossier. Chamberlain Masoda. 12 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions de francs CFA pour Amadou Vamulki. L'ancien directeur général de la CRTV de 2002 à 2016 a été rendu coupable de détournement de fonds d'une valeur de 617 565 000 francs CFA. Le verdict a été rendu le mardi 20 décembre 2022 au tribunal criminel spécial de Yaoundé après 6 ans de détention. Avant le verdict, les avocats d'Amadou Vamulki avaient fait appel du contenu des plaidoiries sur les exceptions de procédure et de non-recevabilité de ces derniers. Ces 10 exceptions ont été suivies du rappel de contenu des plaidoiries sur le fond lors de son jugement dernier. Ce n'est que le volet 1 de l'affaire de l'ex-directeur général de la CIA TV, car la justice est encore aux trousses du septuagénaire dans une autre affaire.